Dis-moi tout doc, c'est ce cheval, ce fils de 5 ans, de Full of Gold, qui vient de gagner le prix Jean Laborde. Ouais, il y a Bouchon ici, dans le rond de présentation, associé à Jérémy Catino. Jérémy, passez vite. Ici, les récompenses pour ce prix Jean Laborde. Dis-moi tout là, qui cherchait sa course, entraîné par Bruno de Monzé, qui cherchait sa course cette année, sa bonne course de ce fils de Full of Gold, âgé de 5 ans, qui pose fièrement hein, d'ailleurs. Était quatrième récemment dans le Grand Prix des Pouliches. Merci. C'est vrai qu'il y a un peu embouteillage ici. Et Jérémy qui a les bras chargés. Non, finalement pas trop, non, finalement moins. Jérémy, ta première réaction. Ma première réaction, c'est un cheval très très dur. Et c'est un cheval qui va toujours et très généreux. J'aime beaucoup le monter. J'ai beaucoup apprécié le monter là aujourd'hui. J'ai dominé toute la course, j'ai fait ce que je voulais. Ils sont venus un petit peu vite, franchement, sur moi en training droite. Et dès que j'ai commencé vraiment à le lancer, plus ça allait, plus il revenait, plus il était généreux. Non, franchement, très bon petit cheval. C'est un cheval que tu connais le matin ? Oui, c'est un cheval que je connais le matin. Je travaille un petit peu, je le monte le matin, donc ouais, je le connais. Félicitations, bravo. Belle victoire donc pour Dis-moi tout doc, un cheval qui cherchait sa course. Le voici, le cheval. Sa course cette année, puisque, je vous rappelle, il était quatrième de flambée lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voilà pour ce cheval entraîné par Bruno de Monzé, qui n'est pas là, qui porte sa casaque également. Élevé par Manu Charme, un cavalier de concours hippique du côté de Limoges. On va demander un petit mot au président Paul Coudert. Paul, alors qui est cette bande de joyeux drill ici? Bah écoutez, c'est nos amis corses qui sont venus courir aujourd'hui. Et j'étais en train de les remercier parce qu'à Longchamp, il y avait 6 partants, il y avait 2 chevaux corses et heureusement qu'ils étaient là. Vichy aussi. Et à Vichy aussi.